Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur la page Facebook de Viastel. Alors, on est en direct depuis Ponteno, où on va suivre la commémoration du 250e anniversaire de la bataille de Ponteno. Alors voilà, vous voyez un petit peu de monde. Le cortège va s'apprêter à partir du fortin de Ponteno pour aller jusqu'au pont pour une messe en mémoire de ce 250e anniversaire de la bataille. Vous avez entendu le départ qui vient d'être donné de ce cortège. Alors, la procession ne va pas durer bien longtemps puisqu'il faut seulement quelques minutes pour rejoindre l'autre côté du pont. Toute la journée de commémoration, il y a eu une conférence de l'historien Antoine-Marie Graziani qui a été organisée sur la période de Pascal Paoli, justement. Et... maintenant, c'est l'heure de cette procession qui sera suivie de la messe. La messe qui sera suivie d'une plaque qui sera dévoilée en mémoire de l'abbé Mondologne. Et ce soir, nous vous retrouverons dans le Corsicazera justement pour faire un point avec des invités en direct dans le Corsicazera pour une page spéciale ici à Ponteno ou avec l'historien Antoine-Marie Graziani, mais aussi un responsable de l'association Rigourde di Ponteno. Pour décrypter un petit peu ce devoir de mémoire, ce souvenir de Ponteno. Vous voyez In National, ces personnes qui sont habillées en tenue d'époque qui ouvrent la marche de cette procession, de ce cortège qui va rejoindre l'autre côté du pont de Ponteno. Thank you.
retrouve plusieurs centaines de personnes dans le cortège de ce 250e anniversaire de la bataille de Ponteno. Des anonymes, mais aussi des politiques, parce qu'on le sait, différentes composantes nationalistes sont appelées au rassemblement aujourd'hui, pour ce 8 mai. On retrouve des représentants de Péagours, mais aussi de Corinfronte, mais principalement des forces nationalistes pour cette commémoration. Thank you.
Voilà, la messe va débuter d'ici quelques secondes, quelques minutes. On va suivre le début de cette messe. Puis comme je vous disais tout à l'heure, vous pourrez nous retrouver ce soir en direct dans le Corsier Caser avec deux invités, Antoine-Marie Graziani, l'historien, et un des responsables de l'association Rigordo di Monteno, justement pour parler de cette journée et de ce souvenir. Primo luogo ricordarci di tutti quelli che hanno legato la sua vita qui in questo luogo 250 anni fa. Di stesso tempo, oggi, pendente questo tempo di celebrazione, avremo una pensata per Aubry de Mondoloni, che pendente più di 30 anni ha celebrato in questo luogo per tutti quelli che erano per tutti. Siamo raccolti qui, siamo raccolti a nome di quello che si vuole essere per noi uomo. Nomine o Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Amen. E ma entra in questa celebrazione con questi canti che ci permettono giustamente di andare al nostro cuore verso il Signore risuscitato a mezzo a noi. Voilà pour ce qui était de la procession et d'une partie du début de la messe qu'on vous a fait vivre. Si vous voulez retrouver le déroulé de la journée et des analyses en direct, suivez-nous ce soir dans le Corsier Caser à partir de 19h. On aura une page spéciale ici à Ponteno avec des invités. On reviendra sur la journée et sur la difficulté de transmettre justement ce souvenir de Ponteno, de la bataille de Ponteno qui s'est déroulée il y a 250 ans ici.